Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 25 janvier et on se retrouve pour un petit unboxing, comme vous aimez bien. Alors, j'ai commandé chez Romain, donc pour le Pixel. Et on va regarder, j'ai juste ouvert là, je cache pour ne pas voir les adresses. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pris deux kits chez Romain. Mais il m'a dit qu'il avait mis autre chose en cadeau dedans. Donc on va découvrir, j'ai hâte. Alors c'est toujours super bien emballé avec Romain, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, ça doit être le kit du petit chien. Normalement, j'avais pris un kit d'un petit chien. Il n'y a pas la photo. Si, voilà. C'est un petit toutou, tout mignon, donc avec une plaque, un cadre et il doit avoir 24 couleurs au prix de 18 €. Il est à le prix 18,50 €. Allez, donc hop, on ouvre. Donc le packaging est assez sympa, hein. Vous recevez dans une petite boîte, tout rentre bien comme il faut, c'est nickel. Hop. Donc le petit feuillet, le petit modèle, le chien. Ah c'est sympa, c'est un cadre noir cette fois-ci. Ok. Donc le cadre noir. Désolée, c'est pas très pratique d'une main. La petite plaque à faire. Donc ça va être la taille de notre projet. Donc toujours avec la flèche, le côté lisse et les petits picots. Donc c'est bien de ce côté-là qu'on travaille. Les petits picots, ils sont ici. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et du coup, hop, voilà. Les 24 couleurs et la pince, mais celle-là je m'en sers pas, j'arrive pas, c'est trop gros, j'arrive pas, c'est pas précis pour moi. Ok, allez, bah je mets ça à côté, hop, je vais regarder le reste. Alors du coup j'ai tout sorti du carton, c'est beaucoup plus simple, et je vais vous faire voir, là je cache, c'est mon adresse. Je vais vous faire voir, donc ce n'est pas un partenariat, j'ai bien commandé à Romain sur le site. Donc en fait, à l'intérieur, vous recevez bien la petite facture. Et en fait, je voulais bien vous faire voir, donc, nouvelle commande, voilà. Je l'ai commandé, j'ai même payé le 19 janvier à 19h15. Et donc on est passé par Mondial Relais, on est le mercredi 25 janvier et je viens de récupérer le colis. Voilà, donc dedans vous avez bien payé par carte, Mondial Relais, sous 3 à 5 jours en point relais. Après bah, c'est mes coordonnées et là il y a un petit mot de Romain. Très sympa, ça fait toujours plaisir. Bonjour Alexandra, merci pour cette nouvelle commande et bonne réception, Romain et Virginie. Donc ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà, derrière, il y a voir la commande. Je cache parce que là, il y a mon adresse. Récapitulatif de la commande, donc kit 4 grandes plaques,
Le kit, il est à 43 euros. Et le kit du chien que je viens de vous faire voir, kit une plaque, le chien Golden à 18,50 euros. Voilà. Donc, ça, je vous ferai voir tout à l'heure. Et il m'a mis un sac, pareil, un sac papier bulle. Donc, toujours super bien protégé avec Romain. C'est très appréciable. Tout ne se balade pas dans le colis. C'est tout bien protégé dans des sacs. Donc, c'est très sympa. Et il m'a mis donc plein de cadeaux. Alors, je vais voir avec vous. Je suis pas au courant de tout. Alors, sticker autocollant. Ça se présente comme ça. Ah, bah, je connaissais pas ça. Alors, c'est du diamond painting, apparemment. Je reconnais le stylet, le pain de colle et puis la petite coupelle, la petite barquette et puis les strass surtout. Et donc des stickers. D'accord. Et ben je connaissais pas du tout, Romain. Merci bien en tout cas. Et il y en a beaucoup, je vois. C'est sympa. Et ben ouais, je ferai en vidéo. Je ferai en vidéo du coup. C'est super sympa. Des stickers autocollants en diamond painting. Très très bien. Donc je suppose que c'est ces modèles-là. Donc une montgolfière, un avion et un hélico. Très bien. Ensuite, nous avons. Hop. Ah bah d'accord. Quatre jolies porte-clés. Un transparent, un rouge, un vert, très joli vert. J'adore. Et un très joli violet aussi. Donc, c'est pour des porte-clés. Il y a les. Ah, bah, il n'y a que trois chaînettes, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Il y a les petites chaînettes pour attacher le porte-clés. Il y en a trois. Bon, bah, j'en achèterai une prochainement. C'est pas le souci. Ok, et bah je regarderai ce que je peux faire comme modèle et puis je m'attaquerai aux porte-clés avec plaisir. Hop. Et on arrive au panda. Le panda, il a de mémoire 4 plaques, je crois qu'on a dit. Donc je vous montre, hein, mais toujours bioplastique 100% recyclable. C'est pas du made in China, c'est pour ça aussi que c'est un peu plus cher les produits, mais c'est pas du made in China. C'est pas des petits enfants qui travaillent, voilà. C'est bien des salariés. Voilà, ça nous explique un petit peu ce que l'on a dans notre boîte. Donc, le schéma avec tous les symboles, 4 plaques. Apparemment, on a plus ou moins 100 couleurs. Les 6 attaches et la pince n'est pas incluse dedans. J'ouvre et je vous fais voir ça tout de suite. Alors, je suis en train de vous tourner une autre vidéo sur un lion. Donc vous l'avez encore pas vu, mais au moment où celle-là va apparaître sur ma chaîne, vous aurez vu le lion normalement. Normalement. Donc ça se présente exactement comme le lion. Voilà, avec le petit feuillet. Enfin, le petit feuillet, non, c'est un grand journal. Alors attendez, je vais ouvrir. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Et vous voyez, en fait, c'est tout bien emballé, c'est tout dans des pochettes, c'est vraiment nickel. Rien ne se balade dans le colis, c'est vraiment très appréciable. Donc, en fait, quand je vous disais le petit livret, c'est le catalogue. Donc, en fait, là, ça nous dit bien qu'il y a. Pardon, je vous baisse un peu. Il y a
4 plaques, il y a 98 pièces donc de 98 pièces, ça doit être le nombre de plaques de pixels, et il y a 66 couleurs de pixels. Et donc elles sont référencées tout là. Voilà, là et là. Donc là, en fait, c'est les numéros des couleurs, les références. Pour le sang, ça doit être du blanc, je crois, le blanc. Le sang. Il y a 4 plaques de pixels pour le sang. Le 108, il y en a une. Le 115, il y en a une. Etc. etc. Sans, vous voyez, 185, il y a 3 plaques. Voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première page. Et après, ça se présente comme ceci. Donc en fait, vous avez votre dessin avec la représentation des 4 plaques. Là, on s'attaque à la première plaque. Et pour la première plaque, il y a plusieurs parties à respecter. Donc en fait, c'est bien symbolisé. Ah bah j'ai fait une bêtise. Hop, bon, je vais arrêter ça tout à l'heure. Donc pour chaque dessin, on se réfère bien que c'est bien pour la première plaque. Et en fait, il y a plusieurs schémas pour une partie parce que, à la différence du diamond painting, ils mettent pas tous les symboles sur la plaque. Ils se contentent de mettre à chaque fois que 4 symboles. 4 symboles qui est donc le carré, le rond, le triangle et la croix. Donc pour chaque partie, vous avez ces 4 symboles et qui sont référencés ici par une référence couleur. Donc à chaque fois, vous aurez que 4 symboles. Au moins, c'est très lisible, on ne se prend pas la tête et donc à chaque fois, il faut bien se répertorier. Voilà, à la petite légende juste au-dessus. Et donc, bah voilà, vous voyez, hein, vous avez plusieurs parties. Jusqu'à la plaque, bah là c'est la plaque 3, jusqu'à la plaque 4. 3. Voilà, jusqu'à la plaque 4. Alors il y a des fois, il n'y a pas beaucoup de symboles, des fois il y a beaucoup plus de symboles. Mais ce qui est bien, c'est que dans le Pixel Hobby, c'est que en fait, sur une plaque, enfin sur une partie, là, pour la plaque numéro 1, en fait, ils vous mettent là par exemple pour la première partie de la plaque numéro 1, ces 4 symboles, ces 4 références, vous les aurez plus, vous les avez que pour cette partie-là, que pour cette zone. Après, vous aurez plus du tout ces références pour la partie numéro 1, enfin pour la plaque numéro 1. Et c'est bien parce que du coup, bah, c'est tout par ordre chronologique. Donc là, vous savez que vous avez fait la numéro 100, 108, 115, 135. Une fois que vous avez fait cette première plaque, vous pouvez ranger parce que jusqu'à la plaque numéro 2, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de ne pas les retoucher, ces couleurs. Donc ça, c'est super bien. Donc ensuite, je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. Hop. Donc là, il y avait le petit boudin là, hop, pour protéger, pour caler, rien ne bouge. On est d'accord. Ici, nous avons nos 4 plaques. 1, 2, 3, 4. 4 plaques. Et nous avons donc les 6 attaches. Voilà, les 6 attaches. Et donc, dans là-dedans, c'est les fameux pixels. Donc, vous voyez, le carton, il est bien étudié. Il y a une encoche pour pas que ça bouge. Franchement, c'est très, très bien conçu, le packaging. Il y a rien à redire. Waouh! Les couleurs. C'est génial. Et donc, pour le lion, je me suis amusée à tout contrôler. Mais là, je ne vais pas le faire parce que je pense que c'est comme le diamond painting. Ils doivent être plusieurs à contrôler.
Et donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a aucun intérêt à recontrôler. Là, ça doit être le 100. Ouais, c'est ça. C'est la référence numéro 100. Donc, de 100 jusqu'à 553. Ouais, c'est ça, 553. Donc, il n'y a aucune raison que je contrôle. Je fais confiance et puis je sais de qui ça vient. Donc, je sais que Romain, il a dû sûrement contrôler. Donc, il n'y a pas de souci. Je recontrôle pas. Et là, bah, là, ça me paraît un peu vide. Ah, bah oui, effectivement. C'est vide. Donc, ils ont dû pouvoir mettre tout dans un seul carton, je pense. Mais au moins, ils ont mis la boîte parce que pour caler, au moins, ça bouge pas. Allez, bah, je vais refaire tout comme eux. Hop. Parce que du coup, enfin, je vous ai dit, je suis en train de faire le lion, donc je vais pas tout entamer en même temps. Donc je referme la petite boîte. Voilà, donc c'était juste pour vous faire voir le petit unboxing. Je ferai avec vous les produits, il n'y a pas de souci. Donc le petit Golden Retriever, le panda, et ça c'est les petits cadeaux en plus que j'ai reçus de la part de Romain. Je range tout ça, je vous fais le petit montage et puis je diffuserai, mais avant je vais vous faire voir le lion. Où je vous fais vraiment pas à pas et je vous filme tout. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que tout le monde va bien. Et ciao, ciao, bye bye, à bientôt.